bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le troisième épisode du voyage de routier. C'est parti! Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode déjà, donc ça fait trois épisodes, oui, comme je l'ai dit. Donc là déjà on a beaucoup de changements. Donc là on est avec un Scania 164 litres 480, et comme vous pouvez le voir, la grosse remorque qu'on a derrière, donc c'est un mode que j'ai, c'est une un mode de convoi exceptionnel. Donc là pour ça, c'est assez compliqué à conduire. Et encore une nouveauté, maintenant mon volant marche sur ETS, la version farming, il marche sur ETS, donc je suis franchement super content. Donc ça a été un plus grand plaisir pour moi. Donc juste régler quelque chose dessus. Alors attendez, contre le... Mais Nathan, où es-tu? Tu vas voir pour la version. Hop, j'ai un peu de bouche. Ça. Et suite là, ça. Ok, bon bah alors maintenant je vais clignotant. Clignotant 3. Voilà, 3. Hop. Ça fait... Bon c'est brave. Donc on va pouvoir commencer la vidéo. Hop, donc on est parti les amis. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Donc allez, on est parti. Hop. Bon, c'est la première fois que je conduis avec mon volant sur ETS. Hop, voilà.
vous allez. Surtout que regardez-moi ce qu'on voit. Waouh! Lui, il est fou! Il est fou ce mec! Je suis heureux là quand même. Mon volant marche sur un test, là je suis trop content. Et hop, on est parti les amis. Oh là par contre il braque vraiment vite. Donc le Scania c'est un très beau Scania hein, franchement. J'ai remplacé le Kenworth parce que déjà il est pour changer déjà puis parce que j'aime bien le Scania franchement. Et ma couleur préférée c'est le rouge donc voilà. C'est une information en plus. Oh non! Après au niveau frein il y a. Donc, pour les freins on a ce qu'il faut. Je peux rentrer là. Ça a pas l'air dessus. On est reparti les amis, c'est parti. Mais bien sûr on peut passer. Regardez comment il braque. Quand même, c'est assez chaud là. C'est tendu. Et 90 on a 50, on va voir comment accélère. Allez, allez, plus vite, plus vite. Donc en fait c'est encore des abonnés qui m'ont demandé que je prenne un Scania. Donc comme je voulais pas prendre ceux d'origine, j'ai cherché et j'ai trouvé ce Scania qui était vraiment magnifique. Franchement, c'est franchement le mot que j'ai trouvé. Il est vraiment magnifique ce camion. Bon, je vous dis pas que je me suis embêté pour sortir la remorque hein, avant de commencer la vidéo. Regardez comme ça. Je me suis embêté, mais vous pouvez même pas imaginer. Oh là là. Non, le clignotant marche pas. C'est pas grave. Je réglerai ça après la vidéo. Bon, pour le voir, je fais ça. On s'arrête en urgence. Hop, voilà, option. Jouabilité. Ça. Stabilité. Tout la remorque. Oh là là. Enfin, je garantis pas. On va essayer comme ça. On espère que ça va me braquer. C'était un peu. C'était vraiment corsé là. C'est mieux là. Là c'est beaucoup mieux. Mais c'est déjà beaucoup mieux. Allez, hop, on est reparti, excusez pour la petite attente. Allez. Donc aussi je voulais m'excuser parce que hier j'ai pas fait vraiment un assez hier ou pour le dernier épisode j'ai pas fait un très très grand épisode parce qu'en fait j'ai pas eu vraiment le temps et en fait comme on était soir mon père venait de rentrer, enfin tout le monde venait de rentrer et en fait on allait manger donc j'ai pas eu le temps donc je suis vraiment désolé pour ça. Là je vais essayer de faire une demi-heure ou d'un quart d'heure, ça c'est mieux. Non on passe par où là, par là. Ouais c'est pas grave. Oh là là. Je sais pas encore habitué à mes volants. Il est vraiment trop sensible. Hein? Oh la remorque! J'ai oublié de faire exprès pour ça. On va craquer tout le monde. C'est bon, allez. Allez, c'est reparti. Ça touche quand même. J'ai fait gaffe tout à l'heure, mais ça touche pas mal. Donc on a 9 heures de route là. Exactement 8h30, ça devrait aller vite. Hop. Voilà. Donc peut-être que ma conduite sera beaucoup mieux si je conduis avec mon volant, je sais pas, peut-être qu'il va empirer. Peut-être que mon petit bras voilà. Allez hop, accélération, c'est bon, on arrive à fond là. Hop. Donc là j'ai peut-être essayé de vous mettre le lien si je peux. Je mettrai le lien direct hein, pas sur du site hein. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, je vous mettrai le lien direct. Hop. Oh là là, regardez mon qui braque, par exemple qui se retourne pas mais quand même. Il y a une limite à tout. Hein, ça fait combien de plaisir là? C'est pas grave. Accélération.
Regardez-moi ce convoi exceptionnel de malade. J'aurais bien voulu être de nuit, ça aurait été un petit peu plus beau. Donc, allez, on s'arrête comme ça. Voilà. C'est parfait. Donc aussi, il y a un truc, c'est que j'aurais voulu être sur la Toxic Mac 5.0, sauf qu'en fait, ça fait 6 étoiles chez mon jeu. Donc je sais pas vraiment pourquoi. Peut-être qu'il est pas mis avec la mise à jour, enfin, si vous le savez, vous me le dites dans les commentaires, pourquoi que ça fait ça. Ou alors vous me donnez un lien exprès, vous êtes sûr que ça marche. Mais franchement, moi je suis un petit peu... Ça m'embête un peu parce que, là, comme c'est la map encore d'origine, c'est un peu chiant que ça marche pas. Avec. Hop, donc voilà. Hop, allez, avance-toi. 92, oh la vache, j'ai fait prendre l'arbre. C'est pas possible. Allez, plus vite. Je vais faire un arrêt là-bas pour faire le plein d'essence. Même si, comme on peut voir, je suis pas tout à fait vite, mais quand même. Putain, regarde, mais moi, ça fait un peu peur. Voilà, total. Allez, hop. Non, on s'en fout de ça complètement. Non. Attends. Alors. Je vais vous faire un aussi. Vous allez avoir plein. 112 euros pour 70. Attendez, qu'est-ce que je voulais. Déjà, on en a pour... Et pas le poids. Ah, peut-être là-dedans, on a 9 tonnes. Alors, 10 plus. Bon, alors, c'est possible. Non, non. Voilà. Donc, maintenant, je le sais, c'est quoi comme touche? C'est F5. Donc, j'ai mis... ouais, j'ai mis 2 minutes à trouver, mais c'était... Maintenant, je sais que c'est F5. Allez, hop. Aller où? Bon, bon, bon. Après la pluie on est plus. Hop, c'est bon, allez go. C'est bon. Allez, voilà. Donc là on est déjà arrivé à 113 abonnés, donc c'est ça monte super de super vite. Donc voilà. Je vous remercie encore pour les 100 abonnés, même si pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo des 100 abonnés. Oh la vache. Je crois que c'était le retour de Big Splish Farm aussi. C'est ça, le retour de Big Splish Farm. Hop, allez. Oh la bagnole, la bagnole, la bagnole, la bagnole. Hop. Ça, il a pas mal de frappes quand même. 21 euros. Ouais. Ça, l'argent, je m'en fiche un peu de ça. Oh non, il est pas acheté. Regardez-moi sur le camion. Par la gamine qui bouge, mais il est boss là. Je pense que c'est reste. Regardez-moi. Le. Même si vous êtes tout seul dans la maison, chez vous, vous dites il est beau. On va passer par là. Hop, allez. Voilà, allez, maintenant t'accélères. C'est pas tout ça. Il nous faut que rendre. Donc on est déjà plus de 7h30 de route. Dégâts, c'est pas. Ça peut aller hein, par rapport à ce que j'ai déjà eu. On va s'en mettre à côté. Hop. Voilà. J'évite de tourner trop brusquement comme là. Parce que voilà. J'ai peur de cabaner. C'est assez compliqué. Allez hop, plus vite. 110. 610 70, je sais pas. C'est grave. On accélère, on est parti. Donc là je vais essayer de mettre de plus en plus de qualité dans les vidéos avec le logiciel, tout ça. Hop. Hop, autotrois. Ah merci. Je crois qu'il allait prendre, c'est sûr. On est sur 5. Thank you.
Pas possible, ça. Il y a une coupe la route. Dans mon élan et tout ça. Ça coûte toujours. Hein. Ça ne fait rien. On se traîne. On se traîne. C'est pas bon ça. Là on est sur 2,90. Là on peut accélérer. À fond. Ah j'ai c'est trop bizarre comme ça. Pas d'eau. C'est bizarre. C'est trop bizarre. Voilà. Donc on va à droite là. Hop. On va mieux regarder. Habite mon cabou. Je pense que c'est un de mes modes qui fait faire ça. Voilà. Alors attention là, regardez-moi la boucle qu'on va devoir faire. Bon, attends, donc je place ça au plein. Là je me colle. Je me colle. Alors, je monte tout est. Je pourrais placer mon camion mais quand même là. Je vais me coller comme ça. Je sais pas si ça va. Alors, je vais ce truc là. Non! J'ai dit non! Donc au pire les amis, je me décoince et on se retrouve juste après, à tout de suite. Donc quand les amis, donc c'est bon, j'ai décoincé le camion enfin. Donc, ça a pas été trop long, franchement. Mais ça a été pêche. Ça a été 6 coups de vie. Voilà, donc là on est reparti de 80, c'est parfait. Moi il faut que j'aille vraiment me dormir là. Pas d'arrêt. Bon, c'est pas grave. On continue. Ça va le faire. On va y arriver. Bon, j'espère que j'ai comme trop qu'il va pas s'endormir. Dommage. On le sent mal ça. On va commencer à faire une pause. Vous allez voir comment il est beau de nous, c'est quand même. Il est trop beau. Avec ces lumières que j'ai rajoutées là. En fait tout à l'heure j'étais avec Thomas en fait et on a trouvé ce camion. Et voilà, parce que lui il est aussi sur un truc. Attends, je vais mettre mes phares. Donc attendez, rampe position. Hop, je repars. On fout tout. Regardez-moi ça. C'est beau, je veux dire. Les lumières, tout ça. Et je repars derrière l'armement. Je l'adore. Bon, on va pas perdre de temps. On va éviter. On va éviter de perdre de temps. Allez plus vite. Tu peux le faire. Allez. Là je peux passer à 110. Je suis déjà arrivé à 90. C'est un moteur de 620 chevaux si je crois pas. Bon, c'est overlight. Overload. Attendez. Override load. Donc pour ceux qui s'y connaissent en anglais, ça veut dire qu'on va exceptionner. Voilà. Et pour ceux qui s'y connaissent pas comme moi, ben voilà, vous le savez maintenant, ça veut dire qu'on va exceptionner. Donc voilà. C'est bien parce que dans les voyages routiers, on fait de l'anglais, on explique, on se parle, voilà. C'est plutôt sympa cette petite carrière. Et hop, oh là. Donc aussi si vous voulez vous pouvez me poser des questions dans les commentaires et si sont vraiment importantes ou intéressantes j'en parlerai en vidéo, ça pourrait être plutôt sympa. Et aussi vous pouvez m'envoyer en fait ça ne dites pas que je suis un peu planché sur Galax mais ça peut être intéressant de m'envoyer vos photos de vos camions à vous. Et puis voilà quoi de ce que vous faites sur Eurotruck. Vous m'envoyez vos photos et puis voilà comme ça je vous les mettrai. Aller plus vite, je mettrai en fin de vidéo. Je sais qu'il est comme dire que je recopie beaucoup sur Galax ou ces choses là mais c'est vraiment intéressant donc je me suis dit que je pouvais le faire. Hop. Là j'ai fait 3 heures de route, c'est pas mal.
C'est franchement pas mal. Oula. C'est trop bizarre. Ah, il y a un truc pour dormir là-bas. Super. Franchement, super. 200 mètres. On est sauvés, les amis, on est sauvés. On va pas se prendre d'amende. Hop, voilà. Bon, bah. Dormir, c'est bon. On se met comme ça. Ah, c'est bien. Il veut pas. Il est sérieux, le mec. Il veut pas que je dorme. Je vais mettre pile là-dessus, ce pile. Non, je suis plus dessus là. Je sais plus quoi. Pourquoi? Pourquoi? Je veux dormir. Voilà, bien fait ta gueule. Quoi. Je veux dormir. Pourquoi je peux pas? Ça commence à me faire les bon, bon, en fait, oui, c'est pas grave. Moi j'aurais bien voulu être lui. Et ben, je veux bien mais bon. Là j'étais obligé. Je pouvais pas dormir. Il y a un hôtel ou un truc comme ça. C'est le bordel. Et accélération de notre Scania rouge. Ouais. Quand je l'ai déchargé, il était blanc. Et en blanc, il est rouge. On voit rien dessus. Il y a que le rouge qui veut bien, c'est parfait. Pas trop grand. Après il y a des chevaux je pense. Ce tracteur, ce camion. Parce qu'avec 600 chevaux il traîne nickel les machins. Même si avant j'avais un camion qui avait 500... Qui avait 5000 chevaux. Ouais 5000. Ouais, comme j'avais pas encore trouvé le truc pour enlever le S-meter, il accélère à fond, il désaccélérait. Donc ça faisait un bruit qui était un peu chiant, je pense. Voilà. On dirait que je suis mal, mais hein, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est ce que... Comment ça, regardez comment ça bouge. C'est pas de ma faute, ça. C'est moi, là, donc je vais l'enlever, et je vais pouvoir... voir et bon je sais que je suis fatigué mais bon 1 voilà là ça va je conduis à peu près bien j'ai pas du tout l'habitude encore de mon volant voilà attends, je vais me mettre bien voilà nickel je mets les deux mains parce que moi j'étais qu'à une main mais bon, je vais essayer avec deux mains voilà. On ne rien du tout, c'est encore pire. On est plus vite, mais tu peux le faire, accélère. Il accélère encore rien. Et là, vous avez vu comment que le réservoir il a vidé encore là. On l'a rempli tout à l'heure. Je crois que j'ai mis c'est quoi oui c'était comme c'était simulation ou ça se vide vraiment plus réaliste. C'est un truc qui est dans les paramètres qu'on peut régler. Ah oui, c'était réservoir réaliste. Il est décoché donc j'ai mis un péage. Oh, j'ai chaud. Là j'avoue, je ne conduis pas bien. Allez, ah, j'ai l'impression d'avancer à rien, je crois. Je pense que c'est même pas une impression. Il écoute super bien pour la fois. C'est mon volant qui braque pas, il braque trop brusquement. Enfin, je rigole ça. Il y a que ça qui manque. Ah non, un pot de gueule. Oh! Putain. Je me suis redoublé alors là. Attention à cette gueule. Il m'a cherché, bah je vais chercher aussi. Allez, je te klaxonne au cul, allez, tu vas voir. Je suis énervé, j'ai pas dormi. Donc attention.
3 m'énerve, m'énerve. M'énerve 3 minutes. Donc c'est trop tard. Dis-moi si les... Donc ça fait... Peut-être que j'en ai sur mon camion, je sais pas. Oui, je suis sur l'autre voie, super. Allez, accélère, enfin. Tu peux, il est déjà arrivé à 90, c'est sûr. C'est dans les virages que je vais l'avoir. Il doit être dans le virage, je pense. 93. C'est parfait, on descend, tout le monde transporte moi. Comment ça, comme on rattrape, c'est magnifique, sauf que je peux pas doubler. Bon, évidemment, ça rien du tout, mais si il va piler, je vais pas plus. C'est bon, allez, go, on peut le faire. Regardez-moi ça, c'est magnifique! Oh! Oh là là! Oh là là! Comment gâcher une vidéo? Oh là là! Merde! En plus, il nous a eu, il est content. C'est sûr, mais se fout de nous. Allez vite, accélère, accélère! Putain de Martin! Allez! Et j'ai rien contre les Martins, mais c'est ce que là, ça va pas aller. Si je doute pas, ça va pas. Oh là là! Il cale! Cale pas! Cale pas! Allez! Allez hop, c'est reparti! Il est où? Oh là là! Là, c'était pas du tout prévu ça. Et alors, pas du tout! Allez hop, avance. Dépêche-toi d'avancer. Bon, on sait que t'es fatigué. J'ai pris une amende. Allez, plus vite. Oh là là. C'est pas possible ça. Allez, on est reparti, c'est parti, allez. Non, on est reparti. Allez, 30 en au moins 5 secondes. Je tombe en remorque à l'arrière. Plus vite, plus vite, plus vite, tu peux. Oh non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Allez. Allez où? C'est ok. Ok. Allez, accélère. Tu peux le faire, allez. Accélère, accélère, accélère. On ne rattrape pas avec le double pour la vidéo, c'est obligé. C'est pas grave. J'ai même pas réussi à... Bon, la remorque est passée juste. Mais très juste. Alors là, t'es mis en plus. Je pense qu'on va même pas la remorque. Mais non, la remorque. Donc, c'est quand même quelque chose. Allez, donc je pense que ce camion-là, on va le garder pendant un petit moment. C'est un très beau Scania. Et comme il y en a beaucoup, je sais qu'il aime les Scania, tout ça. Thomas, il aime les Scania. Moi, j'aime bien les Scania aussi. Mais les Volvo, j'aime bien. Ouais, les Volvo, j'aime beaucoup. Aussi, mais les Scania, je pense que c'est ma marque préférée. Surtout quand ça a de la puissance, comme celui-là. Allez. Voilà. 2h53, 178 km. C'est tout bon. Il avance vraiment rien en fait. J'essaie de me faire 90. Somme de lance. Merde! Ça fait ça? Il n'y a pas d'air de repos. Il n'y a pas. On n'a pas ça nous. J'ai l'air de repos, il est... Ah, attendez. J'ai peut-être vu un truc. Non. Attendez, là, il est... Il n'y a pas. Oh là là. Bon bah voilà. On est fatigué. Vous êtes fatigué, ouais, on est très fatigué. Donc les amis, je vais vous laisser pour cette petite vidéo sur Euro Truck Simulator 2.
le voyage du routier épisode 3. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, ceux qui suivent Farming Simulator aussi, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas arrêté. Hein. C'est que là je suis un petit peu dehors au truc, donc ça fait longtemps que j'en avais pas. Donc voilà, donc les amis, je vous dis à la prochaine, likez un max cette vidéo. Somnolence, c'est pas bon, ça c'est pas bon. Où est-ce qu'on est arrivé? On va finir la vidéo grâce à moi. Donc les amis, moi je vous dis à la prochaine. Et puis voilà. Hop, allez, recoupe ta vitesse. Bon, prendre un petit peu ça pour finir cette vidéo. Donc les amis, moi je vous dis à la prochaine. Et salut.